Bonjour à tous, je suis Margot du blog YouMakeFashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une idée pour fabriquer votre toile photo. Cette toile photo, idéalement, il faudrait que vous cloutiez des clous dans votre mur de façon aléatoire. Mais moi, j'avais pas envie de faire des nouveaux trous sur mon mur. Et en fait, au-dessus de mon canapé, pile à l'endroit où je voulais faire justement cette toile de photo, j'ai déjà un mur de cadre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recycler cette décoration. Je vais enlever les cadres et utiliser les clous déjà posés pour faire cette toile. L'idée est que la toile soit déstructurée, donc on va croiser les fils entre eux et le résultat va être pas du tout régulier, c'est vraiment l'idée. Moi je vais utiliser une ficelle comme ça brute, j'aime bien les ficelles comme ça, mais n'hésitez pas à utiliser quelque chose de coloré, quelque chose d'assorti à votre pièce. Donc je vais commencer par un petit nœud sur un des clous, je vais faire passer la ficelle un petit peu entre tous les clous et surtout croiser les ficelles entre elles. Décorer cette toile avec des photos que j'ai fait imprimer depuis Instagram via une application et je vais utiliser des pinces de bureau, mais vous pouvez aussi utiliser des petites pinces à linge, même peindre les petites pinces à linge, ça peut être très mignon. Et voilà le résultat. Ce que je trouve sympa avec cette toile de photo, c'est que c'est vraiment personnalisable. Vous pouvez retirer des photos, en mettre des nouvelles, agrémenter même avec des cartes postales. Voilà, c'est vraiment personnalisable. Si vous voulez retrouver plus de vidéos déco, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Minute Déco ou sur ma chaîne YouMakeFashion.